Et, oh oui, lui, il y en a un peu. Monsieur Renard, ce bâtiment-là, donc il est, vous étiez parti depuis un moment quand il a été construit. Est-ce que vous vous rappelez en quelle année il a été construit, ce morceau-là? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Non, mais on a, c'est plus ancien, ça. Vous étiez à MLC. Non, mais ça, là, ça. Non, ce bâtiment-là. Ah, mais ça, c'est après moi, oui. Oui, 93, je disais, 93-94, oui, à peu près. Non, mais oui, j'étais complètement... D'ailleurs, je n'ai pas trouvé ça très très beau. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Ça m'a trompé. Oh, mais il y a quelqu'un qui veut. Oui, oui. Là, vous êtes une célébrité, là. Oui, voilà. Alors, le bus de Guyot de Seigne. Alors, Guyot de Seigne, il a fomenté cette école. Et le bus a été offert par sa femme, qui s'appelait Alice. Alice de Seigne. Il avait pris le nom de sa femme, qu'il avait ajouté à son nom, parce que son beau-père était déjà juge, et donc il s'en est servi un petit peu. On le soupçonne d'être un petit peu opportuniste. Enfin, c'est un homme politique, et qui a été conseiller général, maire, député, et il a été ministre. Et la première fois qu'il a été ministre, ministre de l'Intérieur, il est resté 17 jours. C'était la Troisième République, donc ça a été très court. Hein. Alors on continue. Si vous avez des questions à poser sur Guyot de Seigne, hein, tout au long, vous n'hésitez pas. Si on est sous la charmille, on est bien, il fait beau, on est à Londres, c'est très agréable. Il y avait différentes fontaines dans le parc, il y avait des animaux, on suppose, donc voilà, il y avait ici, il y en a une autre, on a vu, qui va ça à l'entrée. Il y a le petit jet d'eau qui est à côté du monument aux morts, que l'on voit tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'était rajouté en 58, ce bâtiment. Et puis, et elle sert à plein d'activités, en fait, c'est une salle de sport, de récréation, etc. Et elle sert à plein d'activités aussi extrascolaires. La MLC est bien placée pour savoir qu'il était... On l'utilisait tous les soirs. Voilà. Et il y avait celui... Alors il y avait les WC des filles et le WC de la maîtresse. Les maîtresses. Ah non. Moi je me rappelle comme les filles en descendaient tranquillement et les garçons me couraient derrière et ils criaient les quilles de venir, les quilles. Comme on nous tenait isolés, finalement les filles en avaient peur. Et à l'époque des marrons, on ramassait les marrons. Hein. Oui, on se les jetait et tout ça. Et oui. Donc si vous passez le mur, on a les WC, les garçons. Les mêmes. Et Jeannot, ton père, il nous racontait qu'il avait un instituteur en classe, amené les haricots à un Monsieur Coudert, il disait, bon allez, hein, on va prendre un petit quart d'heure. Et tout le monde défilait les haricots. T'imagines maintenant? Je pense que les parents portent plainte. Enfin bon, c'est... À l'époque, c'était comme ça. Puis, on était 46 dans la classe. Hein. Oui, bon, on n'a pas fait des nards, mais on n'est pas des vrais énards. Ah, c'est bien que le dernier. Robert en face. Directeur. C'est pas si mal. Voilà, oui, ça sent la cave. Hein. Oui. Ça sent bien, mais de plus près. Oui, encore que je trouve qu'elles ne sont pas. Quoi? C'est un petit peu. Et vous verrez dans cette glace un crâne. Ce sont les enfants, là, que je leur explique. Un crâne, vous verrez, dans la classe, tout à l'heure qu'on va visiter. Un vrai crâne. Et un vrai pied, les ossements d'un vrai pied, tout reconstitué. Eh bien, on l'aurait, paraît-il, retrouvé dans les caves. Alors, on ne sait pas bien
On ne sait pas qui c'est. Enfin, on sait que c'est pas qui c'est. On se demande si ce n'était pas un élève qui aurait été oublié. Et les parents, en ayant beaucoup d'enfants, se sont dit, ma foi, c'est pas si grave. Allez, on remonte. Ils ont fait des dessins, les gamins, hein, ça donnait. Hein. Donc vous trouvez dans le grenier qui servait de dortoir. Voilà. Et tout au sommet du toit, il y avait un clocheton, il y avait la cloche dessus. Ah, on et alors je ne veux pas tout. Se remontant chaque huitaine, ça veut dire tous les huit jours, il remontait la cloche. Un aura téléphore. C'est comme ça, aura téléphore. Donc pour ceux qui ont fait du grec, aura heure. Télé-transmission et fort lumière, parce qu'elle était éclairée la nuit. Il est précisé dans le devis, vous pouvez regarder, hein, jeter un coup d'œil, il est précisé dans le devis qu'elle allait marcher soit à gaz, à l'éclairage, ou à l'électricité. Et ils ont choisi l'électricité, et on voit encore l'ancienne installation qui court tout le long. Pas mettre les doigts dessus. Je ne sais pas si vous l'avez arrangé pour la circonstance, quoi. Parce que ça rassemblait l'aura pour l'heure, télé pour transmission, page, alors on a fait la visite des greniers, ils sont encore en train de se faire. Ils sont très beaux. Oui, mais ouais. Je n'ai pas grand-chose. C'est de télé. Mais oui, tu te rappelles les rodéos, ça. Les trucs les rodos, c'est les filles, les avec les rouleaux. Je sais.
superbe à voir. Bravo. Alors, j'espère que vous avez bien fait attention au pluriel qu'il peut y avoir. Le verbe qui est conjugué est à quel temps ? À la troisième personne du singulier. Alors, on continue. Il est deux verbes originaux.